Il a genre quoi, 9000, 1 million? Le géant danois du jouet Lego existe depuis près d'un siècle. Fondé en 1932, il fait le bonheur de générations d'enfants et d'adultes. Lors d'une interview exclusive, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Colette Burke, la directrice commerciale de Lego. Elle nous a parlé de ce qui fait le succès de Lego, un mélange d'artisanat et d'innovation. Pour l'avenir, elle entrevoit un grand potentiel en Chine. Lego est l'une des principales entreprises de l'industrie du jouet. Quelles sont, selon vous, les tendances actuelles du marché? Comment Lego va-t-il naviguer dans ce paysage changeant et rester pertinent? Nous savons que certaines personnes tiennent vraiment à faire leurs achats dans des magasins de marques où elles peuvent voir tout l'assortiment et s'entretenir avec des experts qui les aideront vraiment à trouver le gâteau ou le produit idéal pour elles-mêmes. Nous disposons donc d'un excellent réseau de magasins en Chine et dans le monde entier pour ces acheteurs. Mais d'autres souhaitent peut-être acheter plus rapidement, n'est-ce pas? Peut-être qu'elles souhaitent simplement acheter en ligne. Nous travaillons donc avec des partenaires pour nous assurer que nous sommes présents en ligne et que nous présentons notre portefeuille de la meilleure façon possible. Nous constatons que Lego a accéléré son expansion en Chine. Que représente le marché chinois pour Lego et comment comptez-vous continuer à développer ce marché? Nous avons rencontré un grand succès sur le marché chinois. Nous y sommes très actifs depuis une dizaine d'années. Nous avons commencé à ouvrir des magasins il y a seulement 5 ans. À présent, nous avons 400 grands magasins dans tout le pays, de très bons magasins, certains que nous possédons nous-mêmes et de nombreux autres que nous avons créés avec des partenaires. Nous voyons une grande marge de manœuvre pour continuer à investir dans notre présence sur le marché de la vente au détail. La marque Lego est encore assez jeune en Chine. En tant qu'entreprise, nous avons 91 ans, mais nous ne sommes présents en Chine que depuis 10 ans, n'est-ce pas? Nous avons pour priorité stratégique d'investir en Chine et de nous y développer durant de nombreuses années.